Bien-aimée dans le Seigneur, bonsoir. Je suis une dame camerounaise vivant précisément dans la ville de Douala. Je viens ce soir rendre mon témoignage. Je viens rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie. En effet, je suis une dame qui recherchait le fruit des entrailles depuis plus de 16 ans. Le Seigneur m'a visitée, le Seigneur m'a bénie. Je vous assure, frères et sœurs, ça n'a pas été facile pour moi. Les médecins des plus grands hôpitaux de la ville de Douala avaient dit que je ne pouvais pas enfanter. Les médecins des plus grands hôpitaux de cette ville m'avaient dit que mon cas était un cas désespéré. C'était impossible. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, je peux être comptée parmi les femmes qui ont donné naissance. Lorsque je suis tombée enceinte, bien-aimée dans le Seigneur, je suis allée à l'hôpital. Le médecin m'a demandé qui m'a dit de tomber enceinte, que cet enfant n'allait pas rester dans mon sein. Je lui ai dit, mon enfant vient de Dieu. Il ne connaît pas l'origine de mon enfant et n'a pas à me le dire. Lorsque je suis allée faire l'échographie, il a été surpris de voir que tout allait bien. Bien-aimée dans le Seigneur, pendant la grossesse, j'ai eu des attaques. Les esprits de mort, les rêves que je vais mourir pendant l'accouchement, que mon enfant va mourir, c'était tout le temps. Les repas de nuit, les couches de nuit, j'ai souffert des attaques, bien-aimée. Oh, aujourd'hui, je peux témoigner. Je peux témoigner parce que par la grâce de Dieu, j'ai mis au monde une merveilleuse petite fille qui se porte bien par la grâce de Dieu. Oui, j'ai accouché par césarienne. Ça n'a pas été évident. Mes frères et sœurs, je vous exhorte ce soir. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir. J'ai 40 ans aujourd'hui et je suis mère. Je suis mère malgré tout ce que les médecins avaient dit. Ne doutons pas, restons accrochés. Malgré les tempêtes, malgré les tribulations, malgré ce que les hommes peuvent dire, restons accrochés, frères et sœurs. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci au pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse toute l'équipe avec laquelle vous travaillez, qu'il bénisse les partenaires. Merci Dieu Tout-Puissant Créateur, j'ai témoigné. Shalom.